Vous verrez, le château de Mercues, c'est vraiment classe. Le 31, c'est au troisième. Je n'ai pas pu vous mettre au même étage. Vous descendez ? Non. D'accord. La fille, elle a retiré sa culotte, non ? Mais non. Merci. Pourquoi votre clientèle en ce moment ? Du hors-saison, comme vous. Mais je veux juste les serviettes, c'est pas compliqué. T'es jamais arrivé de penser que le sexe, c'était comme une maladie ? Je sais pas, mais là, j'ai l'impression que t'as senti quelque chose. Dites-lui d'arrêter de chanter. Désolé de vous déranger une heure si tardive, mais j'ai un petit souci. Salut, John. Est-ce que vous auriez de la corde ? Enfin, on a payé quand même, c'est pour dormir. Merde alors, elle a pas pu se porter toute seule. Attendez, non mais c'est forcément une erreur. Écoutez, interrogez ma femme, on était ensemble, elle vous dira où j'étais. C'est prévu. Sans con, c'est fixe, ça se voit tout de suite que c'est pas vous l'assassin. Vous êtes sa complice, c'est ça ? Ah non, pas du tout. Ça m'excite tous ces flics. J'ai été accusé du meurtre. Je m'en vais, Michel. Mais qu'est-ce que t'as fait de tes poils ? J'arrive pas à croire à la culpabilité de ce type. T'as pas pu faire ça avec un inconnu ? C'est pas un inconnu, il est gynécologue. Est-ce que c'est qui, votre témoin, finalement ? Le cinglé qui chasse les aliens ? Vous oubliez le primitif flamand qui s'envoie votre belle-mère. Je suis désolé, Christiane, je vous dérange. Pas du tout, on vient juste de terminer. De salaud. On t'avait bien dit de pas la tuer. Ta gueule, pauvre. Partez en week-end, vous verrez, ça change la vie.